Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. On sort un petit PPL tranquillement et on commence avec le push, un programme hard qui va faire mal par rapport à tous mes autres programmes PPL que j'ai pu faire. Celui-là, il va être très très méchant. Donc, si t'es fatigué, si tu sens que voilà, tu fais une petite séance cool, agréable, c'est pas sur cette vidéo qu'il faut rester. En plus, moi je suis en forme, ça veut dire que tu vas souffrir, on va souffrir ensemble. Donc, prépare-toi, on va faire les choses bien. D'ailleurs, c'est un programme assez spécial parce que Rhinoshield m'a envoyé une gourde. Tu vois, les gourdes, tu peux poser ton téléphone dessus, c'est aimanté, c'est pas mal. Donc, si jamais tu veux une gourde comme ça ou un produit sur Rhinoshield, t'as le code Dams Jordan. C'est pas une vidéo sponsorisée par eux. Mais ça va, c'est cool, ils ont pensé à moi. Et je trouve ça cool, ok? Premier exercice, développé couché en double contraction, ok? Double contraction, je répète pour ceux qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner avec moi, tu vas prendre tes haltères, bien évidemment, tu vas faire une demi-rep, tu vas te baisser et faire une rep complète. Ça fait 1, ok? On fait 4 fois 10 répétitions. Et juste après les 10, eh ben, on balance 10 reps normales. Donc, ça va faire 20 reps. Si tu as l'habitude de soulever une certaine charge au niveau de tes pecs, je t'invite à baisser un tout petit peu les charges. Parce que là, on va se faire mal. On va s'entraîner intelligemment, mais on va se faire mal. Donc, si tu as du mal à sentir tes pecs, là, tu les sentiras très, très bien. Allez, c'est parti. On prend nos haltères et on part dans 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, demi, hop, complète. Une, demi, complète. Deux, demi, complète. Trois, allez, demi, complète. Quatre, demi, complète. Cinq, demi, complète. Six, demi, complète. Sept, allez. Demi complète. 8. Demi complète. 9. Demi complète. 10. Maintenant, 10 reps normales. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On est bien. Je mets le chrono, 1 minute 30 de repos pour être tranquille. Je sais que certaines personnes m'ont dit par rapport au temps de repos, oui, 1 minute 30, c'est pas un vrai temps de repos. 1 minute 30, c'est le meilleur temps de repos qu'on avait à l'époque, quand tu vois les vidéos de bodybuilder à l'ancienne et tout. 1 minute 30, c'était le meilleur temps de repos. Mais bien entendu, tout dépend de ta journée, si t'es fatigué. Si t'as mal à la tête, t'as passé une mauvaise journée, tu sens que physiquement c'est compliqué, tu peux prendre 2 minutes ou 1 minute 40, voilà, tu peux gratter un peu plus, ça dépend vraiment de ta forme de base. Mais moi je me tiens sur ce qui était basé sur les faits scientifiques d'avant, d'accord? Parce que normalement, 1 minute 30, c'est ce qu'on prenait à chaque fois. Moi, je reste sur ça, c'est comme ça que les gens progressent et que j'ai progressé et que toi aussi tu as progressé. Première série. On va faire ça bien. D'ailleurs, je sais pas si j'ai dit, mais fais pas attention si tu as du jus ici. On va faire une fête apparemment. Et on entrepose du jus. Même si que moi je touche pas à ça. Il y a du coca, du jus d'orange, c'est incroyable. Faut pas toucher à ça. Faire les choses bien. Oh, 20, ok, je peux déjà arrêter le chrono. Allez, c'est parti. On part pour la deuxième. Allez. Ouf. Demi complète. Une. Demi complète. Deux. Demi complète. Trois. Demi complète. Quatre. Allez. Demi complète. Cinq. Demi complète. 6. Allez. Demi complète. 7. Demi complète. 8. Demi complète. 9. Dernière. Demi complète. 10. Maintenant, 10 reps normales. Allez.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, je commence à me sentir bien. Par contre, la gourde, elle est bien, mais quand tu veux boire, faut retirer ton téléphone, sinon c'est terminé. Il y a une petite paille en plus dessus. Comme ça, tu peux boire tranquillement, comme une boisson qu'on boit avec une paille. J'ai vu plein d'influenceurs faire des vidéos promo sur cette gourde. C'était bien, c'était marrant de voir, mais les gens faisaient n'importe quoi. Parce qu'en fait, il y a une paille dedans. Tu vois, il y a une paille. Quand tu bois un truc avec une paille, tu bois comme ça. Tu bois pas comme ça. Parce que si tu bois comme ça, eh ben, il n'y a pas d'eau qui va venir dans la paille, tu vois. Et j'ai vu plein d'influenceurs faire des vidéos comme ça. Des influenceurs fitness. Comme quoi, tu vois, eux, ils reçoivent des produits. Peut-être qu'ils sont payés pour ça. Et ils l'utilisent n'importe comment. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai fait les choses bien. Je fais une belle petite vidéo sur mon Insta. Histoire de remercier la marque. Et de promouvoir le produit de la bonne façon. Tu vois. Mais je vais pas faire n'importe quoi. Parce que pour une marque, l'idée, c'est qu'on utilise bien leurs produits. Pas qu'on fasse n'importe quoi. C'est important. Et là, on repart. C'est parti. Troisième. Allez. Je t'ai dit, tu vas avoir mal aujourd'hui. Allez. Demi. Complète. Une. Demi. Complète. Deux. Demi. Complète. Trois. Allez. Demi. Complète. Quatre. Demi. Complète. Cinq. Demi. Complète. Six. Demi, complète, 7, demi, complète, 8, demi, complète, 9, demi, complète, 10, 10 normal, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fait mal, mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. D'ailleurs, j'ai même pas noté la deuxième et troisième. C'est incroyable. Il nous en reste une. Allez, voilà. Bah, sinon, moi, au niveau de mes projets, au niveau de tout ce qui se passe, bah là, j'ai un peu plus de liberté. Je sais que les programmes d'il y a un mois, j'étais KO avec le taf en sécu transport. J'ai fait de la sécu transport juste pour en faire un peu de sous, mettre de côté. Là, on va bosser un peu en vidéo, en tant que vidéaste, avec mon statut micro-entreprise, histoire de faire un peu de sous, parce que voilà, on va déménager, si tout se passe bien, normalement. Je serai sur Saint-Étienne. De toute façon, ça sera pas un secret vu que je ferai des vidéos là-bas et tout. Je serai sur Saint-Etienne si tout va bien. Donc, les Stéphanois, je sais pas s'il y en a qui me suivent sur YouTube, on se verra là-bas. J'ai juste le seum, les gars. Parce que là-bas, il n'y a pas d'honneur. Il y a des basic fit là-bas. Je sais, les gens qui me suivent dans le sud et tout, vous êtes habitués au basic fit, mais moi, je suis pas habitué à ça. Moi, étant sur Paris, je suis habitué aux vraies salles de sport. Je vais devoir venir dans un basic fit, ça va être dur. Déjà, pour qu'ils acceptent que je me filme dans la salle, faut négocier. Mais bon, j'accepte. C'est mon sort pour avoir la tranquillité. On y va, c'est la dernière. C'est parti. Allez. Fais ça bien. Tu vas avoir mal. Mais tu vas avoir des bons pecs. On y va. Demi. Complète. Une. Demi. Complète. Deux. Demi. Complète. Trois. Demi, complète, 4, demi, complète, 5, demi,
complète. 6, demi, complète. 7, demi, complète. 8, demi, complète. 9, demi, complète. 10, 10 normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ça fait mal, vraiment. Mais c'est ça qui est bon. Tu peux prendre 2 minutes ou 3 minutes de repos, tout dépend de toi et de ta forme. Et on passe à l'exercice numéro 2. Deuxième exercice, développé couché en prise neutre cette fois-ci. Donc, prise neutre, c'est comme ça. Directement, on va écarter légèrement les bras, histoire d'avoir un bon espace, tu vois, et on va faire notre développé couché. La particularité, c'est qu'on va rester 2 secondes en bas. Donc, on compte une, deux, et on fait notre série. Ok? Oh! Prends tes haltères, on y va. 4 fois 10 répétitions, 2 secondes, sous tension. Ça va bien se passer. Allez. On part dans 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ok. Tu te rends compte que je suis à bientôt 100 programmes sur ma chaîne YouTube. Bientôt 100 programmes. C'est incroyable. Je sais que c'est votre format préféré. Même toi, celui qui regarde mon programme, celui qui le suit avec moi, je sais que c'est ton format préféré. On me demande que des programmes à chaque fois. Que ça. Mais, comme j'ai dit, les gars, j'aimerais bien avoir une petite salle de sport pour faire des programmes, faire des trucs, faire des projets. Je sais que sur Saint-Étienne, normalement, il y a de l'espace, il y a de quoi faire. C'est-à-dire que même moi, personnellement, je pourrais me trouver un petit lieu et me créer un home gym si je mets les moyens. Et ça, ben, c'est avec la chaîne. Je vois que les programmes, c'est vraiment ce que vous voulez voir tout le temps, H24 de moi. Et ben, on va voir ensemble ce qu'on peut mettre en place pour faire ça, sans que tu débourses de l'argent pour m'aider. Parce que moi, tu vois, je suis pas un youtubeur qui va dire oui, on va ouvrir. Non, on va rien ouvrir du tout. On va juste regarder les vidéos, regarder les pubs et acheter avec MyProtein, c'est tout. Si jamais tu as un truc à prendre, une ou un truc, mais on va juste regarder les vidéos, suivre les vidéos. Et ça va m'aider concrètement. Ok? On va essayer de faire ça bien. J'y réfléchis encore. Et on en parlera ensemble parce que c'est un projet ensemble. Ok? C'est parti, la deuxième. J'espère que tu aimes bien la sensation de se coucher là. Moi, j'aime beaucoup. Surtout quand tu écartes un peu les bras. Allons, on y va. Une. Une. Deux. Deux. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Quatre. Une. Deux. Cinq. Une. Deux. Six. Une. Deux. 7, allez, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ok, très bien. Là, tu vois, on a eu un premier exercice avec deux exos en un. Là, on a un deuxième exercice plutôt soft, mais là, on est chaud, nos pecs sont chauds. Donc là, tu en es prêt, tranquille, tu vois, tranquille. Il reste encore 3 exercices. Après celui-là, tranquille. Là, c'est la deuxième. Mais ouais, je vais voir ce que je vais faire.
Je vais voir ce que je vais faire parce que en soi, si bon YouTube, je fais pas énormément de vues par mois, mais si on continue comme ça, si on augmente un peu plus les vues, déjà que le nombre d'abonnés, ça va augmenter, je pourrais faire quelque chose pour vous. Pour vous remercier déjà, et aussi faire du contenu qui vous plaît, et aussi être bien plus tard, parce qu'on va pas se mentir. Je fais du contenu qui plaît, vous êtes content, je suis content, tout le monde est content et on progresse. Sachant que je compte passer mon diplôme de coach, enfin, avec le CQPIF, instructeur fitness, en 3 mois, j'ai fait des vidéos dessus. Et ça va me permettre aussi de, derrière, ben, continuer ces vidéos gratuites, parce que je suis quelqu'un qui va continuer ce format-là, qui prône ce format-là. Je veux que tout le monde puisse bénéficier du sport gratuit. C'est un de mes buts et objectifs. Mais aussi pour ceux qui le souhaitent vraiment, ben faire des suivis où je peux me déplacer, où je fais des suivis à distance, mais j'aimerais au moins avoir un contact, au moins face à face avec les personnes que je m'occupe. C'est important. On part pour la troisième. Allez, j'allais parler trop vite là. On y va. Troisième. Tu vois, là, on est bien, là. On est bien. On est chaud. Allez. Hop, on y va. Un. Une. Deux. Deux. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Quatre. Une. Deux. Cinq. Allez, c'est rien. Une. Deux. Six. Une. Deux. Sept. Allez. Une. Deux. Huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Ok. On est bon. C'est la troisième. C'est la troisième. Voilà. Il nous en reste une. Bah voilà, en tout cas, j'aimerais savoir ce que t'en penses. Si créer un home gym spécial programme avec Dams, ça peut être bien, sachant que le home gym pourrait, avec le temps, se créer en coaching personnalisé, studio de coaching personnalisé. Je vais voir. De toute façon, j'ai une infinité de choses que je peux faire. C'est juste moi à voir ce que je peux mettre en place ou non. Et puis voilà, ça peut être cool. Oh. Au niveau de ce projet-là, on est bon. Est-ce que j'ai un autre projet à te partager? Parce que oui, là, je fais plein de choses en ce moment. Il faut que je te partage ça. Les vlogs sur ma chaîne. J'ai fait quelques vlogs. Je t'invite à les regarder. Je vais en refaire encore. Là, je pouvais pas trop en faire parce que j'ai eu trop de travail d'un coup. Ça veut dire que j'ai eu trop de clients, trop de demandes. Parce que moi, je suis un vidéaste professionnel. Enfin, pour ceux qui me suivent pour les nouveaux. Je suis un vidéaste professionnel, c'est-à-dire que je me déplace, je fais des vidéos et tout pour mes clients. Et là, j'en ai eu vraiment beaucoup à faire d'un coup. Ce qui fait que je peux pas te faire un vlog en disant, bon, bah là, je pars pour 5 heures de tournage, enfin de montage dans mon studio. Tu vois, je peux pas te faire ça. Je vais te montrer que je sors, je vais à la salle, je suis même pas allé à la salle, c'est incroyable. Donc là, tu vois, là, c'était très compliqué. Mais là, je suis libre. Donc, on pourra faire ça bien. On y va, c'est la dernière. Allez. J'ai vraiment envie de te parler beaucoup. Mais la priorité, c'est les programmes. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Une. Une. Deux. Deux. Une. Deux. Trois. Une. Deux. Quatre. Une. Deux. Cinq. Une. Deux. Six. Une, deux, sept, allez. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Ok. Je sais pas si tu vois bien le mouvement quand je ramène les poids à chaque fois. Je lève les jambes et je ramène mes poids. Et je me laisse tomber avec la charge. Ça, c'est le meilleur moyen de pas se blesser. Et de poser ses poids délicatement. Au lieu de faire des mouvements bizarres sur les côtés où tu balances tes poids. En tout cas, tu peux prendre 2 ou 3 minutes de repos, tout dépend de toi, ta fatigue, même plus, hein, parce que j'ai ça à chaque fois, mais tu prends plus aussi. Et puis moi, je te donne rendez-vous pour l'exercice numéro 3. Troisième exercice, il va faire mal, on va focus ses triceps.
Cette fois-ci, parce que oui, là, on s'est occupé des pecs, c'était bien. On va faire du développé couché en prise neutre, serré cette fois-ci. Donc, la même chose qu'on a fait, mais avec les haltères collés. Et on va faire un superset avec extension haltère. Ça veut dire que je te fais le mouvement à vide. On prend les haltères serrés. On va faire 10 répétitions tranquillement serrées. Et juste après, on va hop, ramener les haltères vers le bas. Histoire d'avoir des bons triceps, c'est important. Les gros bras, c'est les biceps, mais surtout les triceps. Et moi, je suis là pour t'arriver à ce niveau-là, c'est important. Donc, on prend nos haltères et on part. Deux exercices en un. Comme je t'ai dit, c'est un vrai programme qu'on fait, on se fait mal. On part dans 5, 4, 3. 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Extension triceps, on y va. 1, 2, 3, allez, 4, c'est rien. 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Ok. Le temps de repos qui change pas, 1 minute 30. Mon petit trait. D'ailleurs, on me demande beaucoup, ouais, qu'est-ce qu'il y a sur ton cahier? Sur mon cahier, il y a le programme du jour que je fais. Et quand je fais une série, je fais un petit trait. Parce que sur mes premiers programmes que je faisais de tête, et ben parfois je loupais une série. Parfois j'en faisais 3 au lieu de 4. Ou j'en faisais 5 au lieu de 4. Tu vois? Et pour être organisé et précis dans ce que je fais, et ben j'ai mon petit cahier et je fais un petit trait à chaque fois qu'on a validé une série. Au moins tu sais. Je prends une petite gorgée parce que. C'est compliqué. Voilà. Là, on est bien. Bah sinon, moi, ça va super. Aujourd'hui, ça va super. J'ai pas beaucoup de stress de quitter Paris. J'ai hâte de quitter Paris. Et puis, voilà, on va partir à l'aventure. On va partir à l'aventure. On va voir ce qu'on peut faire en taf. Voir si je retourne dans la vente, dans le commerce, ou si au contraire je fais de la sécurité, ou si je me lance à plein temps dans mon entreprise de vidéaste. On va voir, il y a plein de choses qui s'offrent et qui s'ouvrent à moi, et c'est à moi en vrai de faire ce que je veux, de vivre ma vie comme je l'entends. Parce que j'ai vraiment envie de vous aider, d'être avec vous tout le temps, mais pour vivre, c'est compliqué malheureusement. Et je sais que toi qui me regardes tout seul, tous les jours, c'est pas grâce à toi seul que je pourrais vivre malheureusement. Il faut qu'il y ait des centaines de milliers d'autres comme toi qui me regardent. Mais on va faire ça bien. Allez, on y va, c'est parti pour la deuxième. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, c'est rien. Six, sept, huit, neuf et dix. Très bien, l'extension, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, allez, huit, neuf et dix. Ok. Hop. Temps de repos. Le deuxième trait. Mais ouais, faut qu'il y ait plusieurs personnes qui regardent. Ce qui est bien, c'est que le programme, c'est un long format. YouTube, il aime bien ça. Donc voilà, on va continuer. Je vais essayer de faire plein d'autres programmes encore. Je sais que j'en ai fait plein, hein, comme je l'ai dit, bientôt 100 programmes. Si j'ai pas dépassé les 100, je sais pas.
Mais des programmes, je peux en faire des milliers. Parce qu'en fait, ce qui va changer, ça va être les tempos, ça va être l'intensité. Sachant que je suis resté dans tout ce qui est muscu pour du gain musculaire, du volume musculaire. Mais je peux faire des programmes beaucoup plus pour l'entretien, des programmes beaucoup plus pour la perte de poids ou qui va faire brûler un peu plus de calories. Même si que, on va pas se mentir, je préfère rester dans tout ce qui est muscu, parce que la musculation va t'aider à la fois à brûler des calories, à la fois à t'entretenir aussi, mais aussi à gagner en masse musculaire et en esthétisme. Tu vois? C'est-à-dire que tu, visuellement, tu vas voir qu'on fait de la muscu, et moi, c'est ce que j'ai envie d'apporter, parce que quand on voit que tu fais du sport, on se sent mieux. Tu vois, on se sent mieux, les gens, ils te voient, ils sont contents, toi aussi, t'es content, et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter aux gens, du changement en eux et dans leur mental. Parce qu'on se fait mal quand même. Et là, c'est parti. C'est la troisième. On y va. Fais ça bien. T'es avec moi. Tu me lâches pas. Allez, c'est parti. Une, deux, trois. Allez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Extension maintenant. Une, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, ouais, 8, 9, derrière, 10. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal pour de vrai. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. 3, il nous en manque une. Et on est bien. Après, il nous restera les épaules à faire. Mais ouais, le programme push, pec, épaules, triceps. Histoire d'être bien et complet. Sachant que je vais peut-être, tout dépendra des j'aime, des programmes, des commentaires et de l'engouement. Parce que ça, c'est important. Ça m'aide à savoir ce que je vais faire. Je vais peut-être refaire un programme split. Ok? Peut-être refaire un split. Parce que split, c'est deux muscles. Et pour moi, c'est la meilleure façon de progresser en musculation. C'est de faire des splits. PPL, oui, d'accord, c'est bien. Mais split, c'est mieux. Parce que par exemple, là, tu vois, les triceps, on a deux exercices. C'est-à-dire qu'on a, enfin, on a un exercice, deux en un, tu vois, pour faire un bon PPL, pour pas brûler trop d'énergie. Mais split, tu fais deux muscles. Dans les deux muscles, tu fais trois exercices chacun. Ou alors deux, trois, ça dépend. Et t'es tranquille, t'es bien, tu peux bien focus et bien te développer. Donc, on va voir, peut-être on va faire un split. Si ça se passe bien, si j'ai le temps et l'énergie nécessaires. Et les encouragements de la team, parce que ça, c'est le plus important. Et là, on fait la dernière, on fait ça bien. Allez, c'est parti, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, ouais, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Extension, on y va. 1, 2, 3, allez. 4, sa dernière, allez, 5, 6, on va à 10, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Très bien, on est bien, je mets juste mon petit trait parce que c'est important, il faudrait dire qu'on a fini. Tu peux prendre 2 ou 3 minutes de repos et on va passer aux épaules avec le quatrième exercice. Quatrième exercice, élévation latérale en double contraction. Ok, ça veut dire qu'on va prendre les haltères. On va faire une demi-rep, on va descendre, et une rep complète. Ok? Par contre, pour les épaules, très important, et notamment sur les exercices des élévations latérales, moi, je pourrais pas faire un mouvement comme ça. Je vais faire un mouvement
comme ça. Pour la simple bonne raison que j'ai les trapèzes développés. Ça veut dire que si je monte là, c'est plus mes épaules, c'est mes trapèzes qui vont bosser. Donc moi, je vais descendre un tout petit peu les bras. Et ça, pour moi, c'est un mouvement complet. Ok? Donc, tout dépend de toi. Si toi aussi, tu as ce problème-là, tu as les trapèzes que tu prends énormément, bah fais comme moi, arrête-toi là. Mais si en revanche, tu prends pas des trapèzes, eh ben, fais un mouvement complet. Donc ça fait demi-complet pour toi qui as du mal à prendre des trapèzes. Ou si t'es comme moi, hop, demi-complet. Ok? C'est un mouvement qui demande moins de force quand tu fais pas bien complet comme ça. Mais au moins, tes épaules, ils vont bosser. C'est pas tes trapèzes qu'ils vont prendre. Donc on y va. Moi aussi, petite subtilité avant que je démarre. Comme je prends une charge assez lourde, je vais me pencher légèrement vers l'avant pour faire une élévation latérale buste penché. Et j'ai un meilleur ressenti comme ça. Donc toi, tu peux rester droit si tu le souhaites. Ou alors comme moi, tu peux pencher le buste vers l'avant si tu as un meilleur ressenti. Mais ça, c'est en fonction des gens et des ressentis. Ok? On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Demi. Complète. Une, demi, complète. Deux, demi, complète. Trois, demi, complète. Quatre, demi, complète. Cinq, demi, complète. Six, demi, complète. Sept, allez, demi, complète. Huit, demi, complète. Neuf, demi, complète. Dix. Là, je sens que ça va faire mal. Honnêtement, j'aurais aimé être méchant avec toi et te dire, bon, à partir de là, on prend 1 minute de repos. Mais est-ce que je le fais? Est-ce que je suis méchant à ce point? Moi, tu me connais, je suis un mec gentil. J'ai pas envie de faire souffrir les élèves qui me regardent, ok? Parce que là, j'estime que vous êtes mes élèves. Pour la simple bonne raison que vous allez écouter ce que j'ai, vous suivez le programme à la lettre. Donc, on va prendre 1 minute de repos à partir de là. Ok? 1 minute 30, c'était bien, c'était marrant, on a rigolé. 1 minute de repos. Et moi, ça va me faire mal aussi parce que je prends une charge lourde. Là, de base, je n'ai pas les épaules avec ça de base. C'est lourd, mais j'assume. Là, on s'approche vraiment de ma charge de travail en salle de sport. Comme tu le sais, je diminue mes charges quand je fais le programme avec toi. Mais là, on s'approche de ce qui me fait mal. 14 kilos, ça me fait mal. Mais ça, c'est bon. Allez, on y va, c'est parti. On a 1 minute. Hop. Allez, on y va. Demi complète. Une. Demi complète. Deux. Demi complète. Trois. Demi complète. Quatre. Demi complète. Cinq. Demi complète. Six. Demi complète. 7, demi, complète. 8, demi, complète. 9, demi, complète. 10. Puis ça commence à faire chaud, transpirer, incroyable, vraiment c'est incroyable. 2, ça fait mal, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon les gars. On est là pour se faire malheur. Je suis désolé, je dis les gars. S'il y a des femmes qui regardent, vous êtes les bienvenus. Et désolé si je dis les gars. J'ai l'habitude de dire ça. Mais vous êtes les bienvenus, les guerrières aussi. On est là pour faire les choses bien. Oh. Élévation latérale, c'est l'un de mes exos préférés pour les épaules. Parce que c'est ce qui fait en sorte que tu vas bien développer tes épaules. Bien les voir, bien les rendre visibles, être large dans tes t-shirts. Et moi, j'ai choisi la double contraction pour optimiser ce travail-là, pour se faire bien mal, pas juste pour faire hop un exo là et après on pose, on est bien. Non, moi, je veux qu'on se fasse mal, je veux qu'on progresse ensemble, c'est important. Je vais faire le meilleur programme PPL de la chaîne et on y va, c'est parti. On a dit 1 minute de temps de repos. C'est la troisième. Allez, demi complète. Une, demi complète. Deux, demi complète. 3, demi complète. 4, demi complète. 5, demi complète. 6, demi
complète 7, allez, demi, complète 8, demi, complète 9, demi, complète 10. Ouais. Je mets le temps de repos vite pour pas tricher, pas gratter du temps. Honnêtement, j'ai mal. Je te dis la vérité. Là, cette série-là, elle a retiré toute la salive que j'avais dans la bouche. Là, j'ai pris mes 3 gorgées, là. J'étais obligé. Ça a pris toute ma salive. Incroyable. Waouh. Et le fait de parler en même temps que je fais les séries, ça m'aide pas du tout. Hein. Franchement, ça m'aide vraiment pas du tout. Hop, voilà, je mets le téléphone droit, comme ça je me vois droit aussi, grâce à la Godrino Shield, c'est important. Petit instant pub, là où on s'ouvre, t'as le code DAMS, Jordan, c'est DAMS, Jordan, tu vois, c'est mon blaze. C'est-à-dire que tu as sur Rino Shield, t'as une coque, un truc acheté, tu mets DAMS, Jordan, et une réduction, ça c'est bien, c'est cool. Enfin après, je pense que si tu regardes dans un an, je sais pas si aura encore, j'espère, mais... Pour l'instant, la dame Jordan, donc faut utiliser. C'est parti, ça dernière, on fait ça bien. Allez. Allez, allez, on fait ça bien. On n'est pas là pour perdre du temps, on y va. Demi, complète, une. Demi, complète, deux. Demi, complète, trois. Demi, complète, quatre. Demi, complète, cinq, allez. Demi, complète, six. Demi, complète, sept. Demi, complète 8, demi, complète 9, demi, complète, ok, 10. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est bien. C'est bien. Je mets mon petit trait quand même. Au niveau du temps de repos, tu peux prendre 2-3 minutes ou plus. Et on passe au dernier exercice. Épaule. Dernier exercice épaule, je vais rester dans cet angle-là parce que de base je vais le mettre en face de toi. Mais au moins comme ça tu peux un peu, tu vois, tu peux mieux voir mon mouvement. On va se faire du développé militaire. Ça veut dire que hop, on prend les haltères comme ça et on fait le mouvement. Mais comme sur mon programme, j'ai marqué développé militaire standard et je me suis dit, ils sont pas assez fatigués pour cette fin de séance. Pourquoi on ferait pas du développé militaire avec une double contraction? C'est mieux, ok? Donc, c'est ce qu'on va faire. Et oui, parce que t'es mon élève, on est là pour évoluer, avancer ensemble. On est là pour gagner du temps intelligemment. Donc, on va se faire une demi-rep et une rep complète. Ok? Comme évasion latérale. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui aiment, tu peux faire une demi-rep et la rep complète, tu peux rapprocher tes haltères. Si tu as envie, moi je vais pas le faire. Okay. Certaines personnes ont un meilleur ressenti quand ils font ça. Moi j'ai un très bon ressenti quand je fais normal. Et il me semble que ça fait un peu plus mal quand tu ramènes les haltères en dernier, il me semble. Donc j'espère que tu es prêt. Ok. On y va. Hop. On prend les haltères et on part. Dans 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Demi, complète, 1, demi, complète, 2, demi, complète, 3, demi, complète, 4, demi, complète, 5, demi, complète, 6, demi, complète, 7, demi, complète, 8, demi, complète 9, demi, complète 10. Et tu vois, là ma voix elle part. Elle part dans. Je ne veux pas dire de gros mots sur la chaîne YouTube, c'est dommage. Parce que sinon je serais démonétisé. Mais ma voix elle part, tu vois. Elle part dans tous les sens parce que ça fait mal. Par contre, là c'est le dernier exercice. 1 minute 30 de repos. Sinon je transpirais, je noyais mon micro qui est là. Et je pleurais parce que. J'ai plus de micro. C'est mon dernier micro qui me reste. Et si il a HS, je vais devoir mettre plus de 200 balles dedans et ça coûte hyper cher. Les objets audiovisuels, ça coûte cher. Donc, 1 minute 30 pour cette fin de séance. On est bien, c'est agréable.
Après, je vais aller à la salle faire mon cardio, mais il est 21h33 et le temps que je finisse, parce que là, je vais me laver là, que je me lave et tout, c'est mort. C'est mort, c'est mort, je pourrais pas aller à la salle. Il sera 22h10, 20. Courir à la salle, il sera 30, j'aurai 30 minutes. Tu vois, c'est pas intéressant. On va aller demain. On va aller à la salle demain, on va faire ça bien. Sinon, j'espère que là, tu te sens bien, t'aimes bien. C'est les nouveaux styles de programme que j'ai envie de faire maintenant. Je sais que j'ai fait des programmes qui font mal, mais là j'ai envie de faire des programmes qui font encore plus mal que d'habitude. Parce que vous évoluez, vous prenez de l'expérience avec moi, avec mes vidéos, et il faut que je fasse, des programmes qui te font mal et qui continuent à te faire progresser. Parce que si tu fais tout le temps les mêmes programmes du début, c'est trop facile, on rigole, c'est bien, mais là, faut faire des choses qui font plus mal. Il faut que tu retrouves cet état de ah, il me fait mal. Ça, c'est bien. Allons, on y va, c'est la deuxième. Demi complète. Une. Demi complète. Deux. Demi complète. Trois. Demi complète. Quatre. Demi complète. Cinq. Demi complète. Six. Demi complète. Sept. Demi complète. Huit. Demi complète. Neuf. Demi complète 10. Ok. Waouh. C'est incroyable comment ça fait mal. C'est incroyable comment ça fait mal. 2. On est bien. 2. On est bien. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Tellement que ça fait mal, j'oublie ce que je voulais dire. C'est chaud. Oui, c'est bon. Alors, pour cet exercice, si tu sens que tu as des douleurs au lombaire, au dos et tout, parce que faut quand même être gainé. Quand on est sur un banc sans dossier, faut être gainé pour faire le mouvement. Si tu n'arrives pas, prends une chaise. Vraiment. Prends une chaise, comme ça, tu peux coller ton dos dessus et tu seras bien. Et si tu as un banc de musculation qui se met comme une chaise, c'est encore mieux. Comme ça, ton dos et ta tête seront posés sur le banc et tu sentiras mieux. Nous, on est des soldats expérimentés, donc ça va, on peut être gainé sans avoir mal. Parce qu'on a l'habitude, mais si t'as pas l'habitude, je peux comprendre, prends une chaise, tu te sentiras beaucoup mieux. Ou si vraiment tu sens que t'as mal, c'est compliqué, fais pas de double contraction et fais juste le mouvement complet pour éviter la frustration. Tu vois, ce message-là est juste là pour te dire c'est normal si t'arrives pas. C'est normal parce que t'as pas l'habitude. Et si t'as pas l'habitude, il faut t'adapter avant de forcer, parce que sinon tu vas te blesser et tu vas me dire, dame, je comprends pas. Maintenant, tu comprends. Ok? On passe à la troisième. Sportif, hein, il reste 5 secondes. Mais on passe à la troisième quand même. Allez. Va. Pas là pour se plaindre. Allez. Oh. C'est parti. Demi complète. Une. Demi complète. Deux. Demi complète. Trois. Demi complète 4, demi complète 5, demi complète 6, demi complète 7, demi complète 8, demi complète 9, demi complète 10. Oh. Ouais. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Il me manque une. Il en manque une. La dernière. La dernière. Après, on est bon. Après, c'est fini. Après, faut plus me parler. Faut plus rien me dire, tu vois. Après cette vidéo, je vais faire une story sur Insta pour dire, laissez-moi tranquille. J'ai fait mon programme. C'est bon. Je suis fatigué. Mais la séance n'est pas finie. On a le droit d'être fatigué. On a le droit d'être KO. Seulement après la séance. Ok? Là, c'est la dernière. Donc, on va tout donner. On va tout donner. Et je pense qu'il y a une petite surprise. On va peut-être faire 10-10. Si j'ai la force pour. Mais on va le faire quand même. Même si je n'ai pas la force, on va le faire quand même. Ok? Donc, tu me suis pour la dernière. Là, 1 minute. On reste 30 secondes supplémentaires. Enfin,
Ouais, 1 minute, ouais, 1 minute 30. Et on fera ça bien. C'est la dernière, les gars. Faut qu'on envoie. Faut qu'on mérite le physique qu'on veut aller chercher. Faut qu'on le mérite. Faut qu'on se batte pour. Et on va se battre pour. Et moi, je suis là. Moi, je suis le guide, tu vois. J'ai de la lumière, je te montre le chemin, j'ai la carte, je te montre tout. Toi, tu cours. Et tu fais ça bien. Allez, on y va, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. On y va. Allez. Hop, hop. Go. Demi complète. Une. Demi complète. Deux. Demi complète. Trois. Demi complète. Quatre. Demi complète. Cinq. Demi complète. Six. Demi complète. Sept. Demi complète. Huit. Demi complète 9, demi complète 10. Pose l'haltère sur tes genoux. Compte 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fait 10 reps normal. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Oh. J'ai mon petit trait tranquillement. Même le stylo s'est rangé. Mon cas de couleur incroyable. Même lui, il avait plus envie d'écrire. Les gars et les femmes qui regardent cette vidéo. Cette vidéo est terminée. Elle est finie. J'espère que tu as pu l'apprécier. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, c'est important. C'est vraiment important. Tu auras des problèmes split de ce genre-là. Dis-moi, dame, je veux voir un split. Fais des splits comme ça. Fais des splits qui nous arrachent la tête parce que on veut se faire mal. Exprime-moi ça dans les commentaires, c'est important. Et puis moi, enfin avant ça, t'as le code dame sur InnoShield, enfin dame sur Jordan sur InnoShield, dame sur MyProtein. Tout est en description. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.